Eh bien, salut tout le monde, c'est Rice pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord le gameplay. Donc, c'est sur Advanced Warfare en mode une balle. Je joue aux morses, forcément, mais avec le viseur zoom. Donc, voilà, c'était pour vous dire un peu ma situation. C'est-à-dire, en fait, j'ai cassé. Enfin, ma play est morte. Ma Play 3 et mon casque Triton aussi, donc je devais m'en racheter un, et mon téléphone, donc voilà, la semaine de poisse. Donc voilà, c'est aussi triste pour la feed sur Advanced Warfare. Vous allez voir sur cette partie, j'ai fait une quad feed. Et maintenant c'est plus possible en fait sur Advanced Warfare, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est pour ceux qui ne suivent pas forcément les vidéos des. Enfin les vidéos des snipers connus, genre Skyrose, Wartek, Pommage ou autre. C'est, vous voyez la feed, elle durait 11 ou 12 secondes, je m'en rappelle plus, donc là on voit encore Wolf Carnage, I3 mort, voilà on voit encore. Tous les kills on voit. Environ, ouais voilà, 12 secondes. Depuis la mise à jour, c'est passé à 4,1 secondes. Pour vous dire, c'est plus court que Black Ops 2. Donc les quad feeds sont impossibles. Enfin, faut vraiment être un. Faut avoir une chance de cocu pour mettre une quad feed. Ou même une 50 screen. Enfin, pour mettre un clip en général. À part les triples une balle. Là, c'est toujours. Enfin, il fallait toujours avoir une chance de cocu. Moi j'en ai fait qu'une sur Advance. Donc voilà. Quand je ferai des vidéos en live, ce sera plus sur Black Ops 2, sur MW2, MW3, Ghost. Donc aussi il y aura En fait j'y avais pensé avant Saxi, mais du coup on va penser que c'est du plagiat, mais je m'en fous, moi je fais ça pour le plaisir. Avec Amazon. Pardon. Avec Amazon Shop, nous allons faire un road to clip. Donc sur tous les Call of, donc du plus récent au plus ancien. Donc on allait commencer par Advance, mais maintenant ça va plus être possible puisque moi je vais pratiquement plus y jouer, à part pour le zombie et pour tester les nouvelles maps, parce que comme j'ai plus de play et que j'ai le season pass, je vais devoir les télécharger, parce que pour l'instant en fait j'ai pas encore testé pour la feed. Je l'ai su grâce aux vidéos, je récupérerai ma play dans un mois. Là j'ai galéré pour l'avoir. Donc voilà, il faut faire absolument des collettes pour faire une feed. Donc là vous voyez ma collette, elle reste tout le temps. Mais c'est franchement dommage, parce que c'est triste qu'on pense déjà au prochain Call of. Il y a beaucoup de gens qui disent vivement le prochain Call of, j'espère qu'il va être bon, alors que c'est triste puisqu'on est qu'en janvier. Encore nous on va commencer le road to clip sur Ghost. Enfin si Amazon Shock est d'accord, sinon je le ferai seul. Ou selon mes potes qui ont le jeu. Parce que tout simplement on peut feed sur ce jeu. Donc moi je vais tenter une simple quad feed. Des quad feed double snipe, des 50 screens. En gros je vais tenter. Puisque je suis un joueur feeder. C'est pour ça que je vais arrêter Advance. Des fois je ferai quelques vidéos dessus. Bon là j'étais un AFK pas longtemps. Des fois j'ai fait quelques vidéos dessus. Je ferai quelques vidéos dessus. Juste pour le délire. Avec des potes en survie, en zombie. Ou sniper tout simplement. Je vais tester une nouvelle map en live. Mais voilà, c'est la quad feed, je vais vous la laisser. Voilà, donc avec le headshot. Donc voilà, donc c'est assez dommage qu'ils aient patché cette feed. Donc voilà, on va donc commencer sur Ghost. Ghost déjà qui était pas un super, c'est pas un super bon jeu, je l'admets. Mais depuis la sortie d'Advance, tous les connards de Ghost sont partis sur Advance. Donc voilà, je suis pas très super content. Là je regardais, c'est bizarre, on peut passer à travers. Donc je sais pas, je me demande pourquoi ils ont fait ça, c'est pas super. Donc le gameplay arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ma première vidéo avec mon AVRmedia Game Capture HD2. Donc est-ce que vous me direz sur le commentaire si on peut mettre, si on peut retirer le petit logo AVRmedia, enfin
là où c'est marqué avant média en haut à gauche. Vous voyez là sur l'écran en haut à gauche, vous voyez. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. On a gagné de justesse. Donc je vous dis à très bientôt pour des vidéos seules, des commentaries et des vidéos avec la team Amazon. Ah oui, au fait, un montage Amazon va sortir avec la quad feed qui était sur ce... sur cette vidéo. Allez, à plus. Ouais, donc je cherchais mes mots à la fin, donc je voulais vous dire que avec Amazon Shock ou moi-même tout seul, je vais tenter des road to trickshot killcam sur n'importe quel call-off en mêlée générale. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un j'aime et à plus.